Bonsoir et bienvenue pour l'autre Economic Watch. Tantôt, nous pourrons adresser plusieurs sujets. En premier, nous parlons dans le secteur de l'aviation. Nous avons en cause le 5th Freedom Flight Right récemment. Et ça a beaucoup de conversations, en particulier sa conversation qui s'est scellée depuis un an avec Qatar Airways. C'est quoi ça, 5th Freedom Flight Right? Et qui moyen il pourra peser le l'année aérien qui base ses scellés? Si Qatar gagne sa clearance ou gagne sa rights, il peut permettre lui pour commencer un flight pas de céder depuis l'Europe, disons. Il sort qu'un volume de passagers d'Europe, il entre Doha. Doha, il prend sa passager, il emmène ses sels, il débarque un peu, il prend un peu ses sels, il amène client pour destination, on t'en dit l'Afrique, dans l'Afrique. Et il prend dans l'Afrique, il tourne encore avec ses sels, il débarque encore un peu, il prend encore un peu ses sels, il tourne Doha, après il va à l'Europe. Il y en a en tout 9 sabon rights de l'aviation. Tout concerne plutôt les conditions qui sont imposées pour la compagnie aérienne capable de transporter passagers sortis d'un pays pour aller dans l'autre à base commerciale parmi d'autres. Fifth Freedom Flights Right, qui concerne Cécile en ce moment, lui permet à l'année aérienne d'emmener passagers entre deux pays qui pas nécessairement passagers qui sortent de sa pays sur l'année aérienne en question. Sa bonne route, il permet pourvu que sa bonne vol, il commence et finit de payer l'origine sa avion. Ben, si Paris, Paris, nous sommes perquisants, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a garanti, ça. Par exemple, quand encore, qui est important, si mon petit port, ça, fait, quand il peut pour l'économie, disons, un touriste fait sortir la France, fait venir Cécile. Il décide de faire 10 jours Cécile. Il paye un ticket de 1000 euros. Ah, 800 euros. On nous fait compter facile, faire quoi, puis étiquette 1000 euros. Il dit, au présent, dans sa 1000 euros qu'il a, il a pour lui, parce qu'il a 1000 euros, c'est sûr. Son dépense, après, il a 1000 euros pour lui, pour son loter. Il fait 3000 euros l'année. D'accord avec moi? Par exemple, dès qu'il peut payer son ticket, il tendait. S'il mettait encore 150 euros, il a sorti ses sales à Maurice, ou il a sorti ses sales en train Nairobi. Qui fait dit, mais tiens, bon, il coupe son vacances, c'est celle pas 5 jours. Il prend là dans l'hôtel, il paye 5 jours l'hôtel Nairobi. Par exemple, il prend son dépense, il m'a fait un gars, il dit, mais ma combien de tickets mon dépense? Ma prend 150 dollars, euros là, ma paye 150 euros de ticket. C'est celle qui perd 1000 euros overnight, disparaît en transaction. Captain, tu as bon quoi avant au quotidien? Si mon patron peut sortir de la route qui est saoulée, entre Lola, Seychelles Airways. Est-ce que ça veut dire un clou dans où c'est écrit? Oui, il est plus qu'un clou. À cause, what will happen les temps si Qatar gagne sa rights? Any airline qui baisse Cécile ou qui a envie de baisser Cécile pour souffrir et pas ni pour même capable compite avec Qatar. Lola. Nous permettons, on ne peut pas compétition, dire, on peut même CEO. Là. Et on parle un peu plus en détail. SHS, right now, son business model est dans la région. Un bout de son business model, il prend pas ça. Il y a le Maurice, il y a le Joburg, Chennai, ou whatever, dans l'India. Et Qatar est capable de pénétrer. Route, il dépend avec salarié. Exactement. Présent, il dépend how this l'agrément guy word, qui limite ou donne. Et si vous donne like il a coûte li en vie, montant dit quelquefois Joburg à cause de Seychelles, faire Joburg na pour tes Joburg ou l'Afrique, si l'Afrique des Seychelles faire aller. Mais à mon avis, dès qu'il a taille met son pied, c'est celle il ne peut pas rien l'autre hub pour lui. Pour le moment, Cécile n'a pas signé aucun agrément officiel avec Qatar Airways pour officiellement donner permission pour sa 5th Freedom Flight Right. Je te rappelle qu'il s'assise une même discuté récemment de l'Assemblée nationale. Là, pour venir, il n'a pas pour guetter si Qatar Airways peut venir voler, peut venir fly. Il n'a pas pour guetter si Qatar peut exister là. Lui, il peut venir faire business là. Il peut venir capture the market. Il est pour capture the market,
il peut capture the market at a lower cost lui-même. Nous processiser dans Economic Watch tantôt, il y a maintenant le budget 2021. Gouvernement indique que le budget total pour dépenses capitales, qui peut être financé par donations ou bien dettes extérieures, est augmenté par plus que 100% comparable avec l'année 2020. En nous voyant ensemble, ça va un gros projet qui est budgeté pour 2021 et côté autres sources de financement y sorti. D'abord, on nous voit un projet qui pourrait être financé par budget domestique. En d'autres mots, ça qui est le gouvernement lui-même pour financer. Il y a une continuation posée construction la case 24-24 pour la valeur 120 millions roupies. Continuation construction posée de nouveau bloc l'école Belloni secondaire avec allocation 10 millions roupies. Continuation construction la crèche en Soyal pour la valeur 9.7 millions roupies. Continuation construction nouveau corps garde la digue qui arrive 6.7 millions roupies. Continuation construction troisième phase, c'est mes Pascal au Pralin pour une somme 5 millions roupies. Construction un nouveau station testé véhicule, le Pralin, qui arrive 2 millions roupies. Et un total 21,3 millions roupies, il y a dédié pour différents projets de secteur agricole. Et ça, il y a 5,4 millions roupies pour continuation construction nouveau facilité RCS en Soualo. Et aussi, il y a un bon projet qui targete l'infrastructure économique. Et ça, il y a une deuxième phase projet industriel, la zone 20 et développement Zil Eve. Tout ça là, pour un total 36,8 millions roupies. À présent, pour bon projet qui gagne financé à travers donations étrangères. Il y a une continuation construction bâtiment SBC House pour la valeur 36,4 millions roupies et ça y est financement par gouvernement chinois. Construction un nouveau headquarters pour la police pour la valeur 84,9 millions roupies par gouvernement LEN. Construction nouveau hôpital Ladig pour la valeur 73,7 millions roupies, li y est financement par gouvernement UAE. Construction nouveau bâtiment attorney général pour une somme 110,2 millions roupies, financement par gouvernement LEN. Construction nouveau clinique Belaza qui pour arrive 44,2 millions roupies. Construction nouveau centre isolation pour un la valeur 39,8 millions roupies. Acquisition un nouveau bateau patrouille pour la force défense qui pour arrive 340 millions roupies et ça y est financement par gouvernement LEN. Construction nouveau centre réhabilitation pour bon addict avec substance et ça un projet pour un financé par gouvernement UAE pour la valeur 34,5 millions roupies. Et finalement, on nous voit bon projet qui pour un financement par dette extérieure. Nous voit reconstruction l'école La Rosière pour un somme 38 millions roupies. Construction un nouveau facilité pour Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture Design qui arrive 25,9 millions roupies. Continuation projet pour Health Information System avec allocation 76,6 millions roupies. Construction un nouveau associé pour Coast Guard qui pour arrive 21,2 millions roupies. Nouveau équipement pour différents lacrés et l'école primaire qui arrive 22,9 millions roupies. Et un somme 83 millions roupies pour financement posé en bas secteur l'économie blé. Gouvernement, tous les ans, il y a une certaine allocation qui fait pour le développement de grain. Ça pour l'entreprise publique. Okay. Et pour ça, il y en a 180 millions roupies qui ont budgété. Et là-dedans, 78 millions, il s'est posé à la côte SPTC. Et pour ce cela, nous avons servi pour l'acquisition de nouveaux bis et aussi pour financer les autres posés capital. Nous avons 62,8 millions qui sont allés vers PMC, Property Management Corporation, qui ils ont posé la case gouvernement. Et ça, là, ils s'est posé pour gagner service, pour payer un dette qui PMC prend depuis avant, et aussi ils ont les autres posés capital. Nous avons 40 millions qui pour gagner donner avec PUC. Aussi, il y a aussi pour financer son projet capital. Si nous regardons plus pour ça, là, nous avons beaucoup nous là, dans un projet dans le secteur de la santé et aussi dans un projet de développement qui suppose aussi pour le développement économique. La santé, nous avons beaucoup de gros projets, nouveaux projets, par exemple, nous avons dit qu'il y a des financiers avec des dons extérieurs.
Et nous avons là, par exemple, qui nous mettait, par exemple, Industrial Estate Authority, qui est fait ben poser, qui met l'infrastructure pour ben site pour le développement économique nous-mêmes. Et nous avons à peu près 30 quelque chose millions, ou 36 millions, qui nous mettait pour ça. Nous avons des secteurs agricoles aussi, qui nous mettent à peu près 21 millions, ou capital projects. Et toi, là, ben poser, qui nous expectait. Il y en a plus six ports directs avec le développement économique, mais à part ça aussi, nous quotidiennement, finance aussi, ben poser par la case, ben poser social, poser social, l'éducation. Et en effet, moyen terme, si nous pouvons guetter, nous ben plus gros poser, il y en a pour faire avec l'infrastructure pour un service public. L'infrastructure, les services qui m'ont pensé ici, là, c'est. Nous on a par exemple un gros poser, qui soit qu'on appelle les government house. Qui est pour la droite centrale, côté du bureau gouvernement, il y a des services d'autres fonctions. Et ça, lui-même, il y a à peu près, bon, juste dès là, on a une projet à peu près 700 millions pour dépenses, envers sa pose lui-même, en 2022 et 2023 aussi, hein, à peu près même amount. So, il y a une grosse somme qui nous mettait, qui nous expectait gagner implémenté en 2023, dans sa moyen terme. Et justement, tantôt, nous avons nos invités avec nous dans Economic Watch, et ça, c'est M. Nadi Hassan, qui est ministre pour Finance, Planification économique et Commerce. Ministre, bonsoir et merci pour faire le temps avec nous tantôt. Bonsoir, Nathalie. Alors, nous avons différencié qui nous peut tous aujourd'hui dans nos programmes. En premier, nous pouvons un petit peu la transformation. On dit ou même dans le budget, l'adresse budget, que nous l'économie, c'est celle désormais pour besoin de tourner vers une transformation. Mais l'industrie touristique restait sa pilier économique, nos pays. On nous cause un petit peu, premièrement, l'État peut causer sa transformation économique. Quoi vraiment qu'on s'est dit, nous? Et à cause, même si dans sa transformation, tourisme, touristique restait pilier, nous, l'économie. Et qui manquait ça pour masser vraiment? Oui, Nathalie. So, sa transformation économique, c'est que nous l'économie aujourd'hui est basé fort le tourisme. So indirect ou direct tourisme amène à peu près 70% contribution vers GDP pays. Mais qui nous a avec Covid, c'est que les secteurs qui tellement clés gagnent affecté, ils paralysent pays en entier à cause où l'économie pas diversifiée. So sa transformation économique, c'est que oui, tourisme resté ou l'industrie principale, mais au besoin de développer les autres secteurs. Et dans le budget speech, on s'annonce les autres secteurs, et il y en a fisheries. Fisheries, par exemple, nous autour avec la mer, et nous besoin de développer l'industrie fisheries pour mettre plus de revenus pour le pays. À cause aujourd'hui, nous, l'infrastructure de fisheries, il n'y a pas la hauteur pour nous exploite sa ressource, exploite de façon soutenable. Okay? So, il y en a ben différents expressions of interest qui sortent, qui pour build sa bonne infrastructure, par exemple dry dock ou bonne fish processing zone. So, tout ça là, il pour développer sa secteur fisheries. Et qui, son focus c'est mettre valeur ajoutée. Il pas fait sens pour exporter tout poisson, mais pour un prix qui est bas, et les autres pays, ils processent ça, et ils font l'argent. Donc, so the focus should be, nous avons besoin de processer ça bon produit pour avoir valeur et gagner plus de revenus. Mais aussi, il y a un rôle l'écosystème qui supporte ou fisheries qui ont besoin de développer. Et vous mentionnez pas les dry dock et les autres. Et ça aussi, il peut créer quantité d'emplois et revenus pour le pays. Et dans l'agriculture, so, l'agriculture, on peut causer dans son l'emploi import substitution. C'est qui, ça qui nous cap, les produits localement, il réduit la quantité nous besoin importer, le côté manger et aussi add to nous food security. Et aussi, le présent, on mène nous fish, nous tourisme là-dedans. Nous tourisme, c'est nous besoin d'une façon qui nous créer plus sa supply chain to our tourism, qui est un secteur domestique à supply nous bon secteur. Et si pareil le côté ben quelque chose qui l'hôtel, restaurant et service, il carré produit localement. Ça il nous pas besoin importer et plus ça revenu, sa forex qui entrer, il rester dans pays. Mais c'est pas pareil mon dit. Tourism il rester
ça secteur clé. Et à cause du rester ça secteur clé, c'est à cause tous les amis, ils sont les facilités qui finissent là, ou l'hôtellerie là, ou tout, ou ça. Donc so, pour kick-off ça, economic recovery, c'est tous les amis qui kick-off. À cause pour s'abonner les autres là, ou vous avez bill over time, à cause son l'investissement, là, son l'infrastructure, il est négligé. So, là, les opérations commencent, ils prennent le temps pour voir son résultat. Mais c'est pour le moment. Tous les amis qui vous tenir nous. Et pareil, nous, nous avec l'ouverture pays, le 25, ben, arrivals sont vraiment, vraiment positives. Et nous, nous avec ça, il y a plus foreign exchange qui est dans le pays. Et ça, il aide pour faire tous les sens descendre. So, ça, qui est la stratégie? C'est qui nous kickstart nous l'économie? Parce que pour les past 12 mois, l'économie est stand still. Donc, nous avons besoin d'un plan pour kickstart. Et son plan, c'est qui nous arrive vers le pays. Et là, nous avons un programme de vaccination qui est très successful. Et ça, il nous a permis pour nous open the borders et la nouvelle activité économique. Il a commencé, le business a commencé à ouvrir. Et tout ça là, il y a une stratégie pour faire sa machine économique, se masser, et il peut masser pour le moment. Juste un petit point avant, nous avons besoin de l'autre point. Une cause de bonne facilité, qui ça encore demande un peu de temps, mais vous avez déjà peut-être pour regarder, il y a l'intérêt pour engager plus profondément dans la paix sécurité pour faire venir cette transformation que nous pouvons anticiper? Oui, il y a un grand intérêt de tous les côtés, le côté fisheries, ben expression of interest qui a fait. Il y a une quantité d'intérêt qui est entré et on imagine ça va quelque chose peut progresser, hein, à cause il y a un process pour le go through. Et même le côté de l'agriculture, il y a un grand intérêt, il y a un ben meeting qui a fait avec ben l'association fermier et le gouvernement, l'IBCCLI qui dit c'est non nous pouvons nous ça l'environnement pour qu'à travail et où aller produit et bonne quota qui s'est mettre par le pôle et les autres tout ça la fait retirer pour encourager sa secteur pour développer et même faciliter avec DBS il a augmenté à cause nous parler qui ça fait mieux c'est petit qui cargo aussi produit plus so, tout ça là il bonne quelque chose qui peut arriver et l'état nous peut regardez un petit peu l'économie pays, nous on a ça secteur public et secteur privé. Nous avons dit que le secteur public est grossi, qui s'aligne un petit peu contre l'objectif réforme 2008, qui tient là. Un nouveau gouvernement qui dit que le secteur public est trop gros, il remplit avec duplication, mais qui nous voit, qui s'habite, qui nous présentait une médecine pour salaire qui augmentait par 2,96 millions de roupies comparable à 2,67 millions sur l'année précédente. Alors, qui m'aille un gouvernement pour imaginer faire sa transformation? Secteur public pour lui améliorer le service de delivery avec bien sûr pour capable mettre l'expectation qu'il y en a dehors. Oui. Juste pour expliquer sa augmentation. Sa augmentation est simplement, c'est une bonne scheme qui s'est mise en place en 2020, mais pour voir son full impact l'année entière, 2021 pour aller. Sur ça, à cause il y a une augmentation de sa totale somme pour salaire de services publics. Mais c'est pas pareil, on dit, il y a une cassette duplication de services publics. Et ça, il y a une bonne raison principale à cause de nos niveaux de taxes et haut. À cause, là, on a un secteur public qui est assez large, ou besoin en masse large en taxes pour financer ce secteur public. Et pareil, on a. Pour le moment, d'un budget 11 millions, à peu près 3 millions, il peut payer salaire. Donc, moi, ce qui nous besoin faire, c'est que nous besoin d'une stratégie qui va nous faire le secteur public devenir plus efficient. Hein? Et à cause, par exemple, toute bonne discussion budget qui m'ont fait avec ben différents ministères, départements, là où nous besoin faire plus, mais c'est le ressource qui demande de mon besoin plus staff. OK, donc voilà, c'est le mindset qui besoin changer, c'est que les nous faire plus, il pas nécessairement besoin plus staff, vous avez une plus efficient pour faire plus mais avec moins de ressources. Et la côté mon environnement, ça il est technologie de service public qui il y a va automate bon process qui arrivé et ça il y a release bonne ressources humaines pour faire ben des autres quelque chose qui plie productive.
So it's a question of business gate, and you know, because the concept of the digital economy. Et digital economy, c'est un sort component, c'est par exemple e-government, c'est on mène sa transformation numérique qui y a fait, y a va à la au gouvernement pour faire son ouvrage plus efficient, plus vite. Mais il n'a pas besoin de ressources humaines additionnelles. OK? Donc ça y a une bonne façon pour en plus efficiency dans le secteur public. Mais un autre area clé, c'est qui nous besoin improve performance dans le secteur public. Et aujourd'hui, nos systèmes performance management, il pas mal assez dans le secteur public. Et ça veut dire qui mon PC dit c'est qui les on a un système qui ca manage performance. Whether ou peut deliver le mandat ou soit pas peut deliver, il n'a pas rien qui arrivé. OK? So ou vous mettez en place ça système, ça que nous peut travailler là avec DPA, c'est on mène ça système qui appelle results based management qui ou besoin plan. Et là, au plan, ou besoin d'activer ou bon objectif. Et si vous pas activer ou bon objectif, il besoin de répercussions sur l'activer ou l'objectif. À cause d'aujourd'hui, active, pas active, nothing happens. Et ça qui pour besoin mettre en place pour mettre ça accountability dans le service public. Vous pouvez dire à ce moment, alors, nous venons beaucoup, mais nous pouvons fatiguer. Oui. OK. Et quelque chose qu'on mentionnait, une cause le taxe, qui nous pointe point qui nous pour cause là un petit plus tard dans nos conversations. Mais si mon continue ça même l'année, le côté concerne un individu qui me connaît, il est important pour autres, c'est qu'il nous voit que le gouvernement il coupe, il réduit l'argent qu'il mettait dans l'assistance sociale, qui ça encore une conversation qui beaucoup de monde il cause là. L'appel c'est que tous les monde qui est capable de travailler devrait travailler. Si mon peut suivre bien développement qui m'a fait penser. Et là, il y a un sens dans l'attitude, par une manchonne qui nous besoin d'une espèce plus productive. Alors, nous peut dire que la pause gouvernement, c'est créer un environnement idéal pour que nous prenions l'opportunité de travail qui en a. Qu'est-ce que vous pouvez analyser sa situation en ce moment? OK. Si vous êtes dans le passé, nous créons un culture qui est basé sur la dépendance de l'État. So, from the day où on est, to the day où on mort, c'est l'État qui occupe. Mais moi, nous réalisons que ça n'est pas soutenable et n'est pas bon pour nos pays. Et le gouvernement est là pour mettre ça l'environnement, pour empower ou pour lever, débrouiller et gagner ou la vie. Et ça, qui philosophie nouveau l'administration, c'est qui, par exemple, le URS. Ce n'est qu'à dire qu'il spend plusieurs années le URS. Mais l'ouvrage, c'est un an. Ou pour dire une quantité étrangère de pays qui travaillent. So, ça veut dire qu'il y a l'ouvrage. Et pour nous, c'est qu'il y a besoin de lever, de travailler. Mais pour les bonnes, qui ont besoin d'assistance. Mais il y a encore là, il y a différents schemes. Mais il y a pour assister les bonnes qui ont vraiment besoin. Mais les bonnes qui n'ont pas de travail, ils devraient et travail. Ce même ça voir une police qui est mise en place. Moi, quoi dire, moi pas le travail. Et aujourd'hui, avec l'économie qui peut répondre, nous noirs, il y en a plus d'ouvrages pour gagner. Et even now, il y en a beaucoup là qui peut ou travailler, qui pas peut gagner. So this is the nouveau philosophie. Mm-hmm. Et ça lui-même, il peut mener un peu pression le secteur business à cause, par exemple, peut causer le secteur public et son stratégie qui peut venir avec. Le secteur business, il voit, il peut besoin absorber ou bien peut roder, mais il peut gagner sa bonne travail. Et il en a une proposition de réforme de taxes qui existe dans tout le secteur business en grande partie. Et là, on veut regarder ces autres qui peuvent venir plus target le temps où peut causer réforme de taxes. On nous cause un petit peu à cause de ce secteur business qui peut gagner sa bonne tax breaks. OK. Si vous avez une philosophie tax, c'est taxe gagne masse pour finance dépenses gouvernement. OK. Ça veut dire les vous avez différents studies qui fait c'est série une bonne tax rate plus haut dans le monde. À cause plus haut, c'est qui à cause nous dépenses de budget yo. Ça veut dire nous besoin en masse plus taxes pour financer ça. Yeah. Et là on a un tax rate qui au business ou en pesli go aussi créer plus d'emplois.
Et là, on a encore une nouvelle philosophie, c'est qu'il utilise le private sector qui peut créer l'emploi pour dire mon travail. Il n'y a pas le gouvernement qui peut créer l'emploi. À cause de l'épargne, c'est qu'il le gouvernement, il fait une grosse aussi, employé du monde. Mais ça n'est pas, pas soutenable, parce qu'il n'y a pas spécial en taxes pour faire ça. So, philosophie, c'est donne sa réduction de taxes qui a donné soulagement au secteur privé, il y a là où il peut aussi, et là aussi, il crée plus l'emploi et diminue le travail. Mais les temps, on peut regarder de sa bonne stratégie, nous peut causer. Il prend l'effet de collection revenu, et surtout là, avec la pandémie COVID-19, ça secteur que nous peut causer là, le secteur privé, il souffre d'incapacité. Et ça, il impacte de façon substantielle le revenu que le gouvernement a collecté par une expliquée là. Et les temps, nous peut regarder l'estimation d'un taxe pour ça, il existe 6,17 billion de roupies. Alors, un service public qui est encore gros, assez adapté au secteur privé pour les autres capables d'accommoder les demandes canadiennes. Or, qui est le gouvernement pour financer ce déficit qui est de budget? Ok. Pareil, on a expliqué auparavant. Nous avons dit que c'est dans ce qu'on un financing gap. Mm-hmm. Ok. Je vais expliquer ce qu'on par un financing gap. C'est que les budgets ont un income et un expenditure. Donc, so, aujourd'hui, il y a un gap entre les deux. Ça veut dire que nos expenditures sont plus hauts qui nous income. Et ça différence c'est à peu près 3,7 millions de roupies. Ça veut dire qu'il y a une différence entre your income et expenditure, ou besoin de borrow pour financer ça. Et par exemple, nous avons issue un bond, et nous aussi en discussion avec un partenaire international, IMF, World Bank, EDB, pour nous gagner un programme pour nous donner ce qu'on appelle budget support. Okay? Et budget support, li i edo finance sa gap qui existe. Mais seulement stratégie à long terme c'est nous besoin narrow sa gap qui eventually nous dépense il pari nous income et eventually nous fait plus nous fait sur, ça s'appelle un surplus pour nous quand commence payer nos dettes. So, tout ça là nous besoin continuellement réduire dépenses mais stimuler activité économique qui pour faire revenu pays monter pour nous achever ça. Et ça là même il pas pas arriver aux autres mais il y a un processus par une machine avec toute son transformation que vous pouvez imaginer. Alors vous pouvez dire que vision gouvernement c'est optimiste que vision gouvernement y a qui peut vraiment relancer l'économie à cause de beaucoup bonne bout qui nous besoin assez dans le process et vraiment sa transformation économique y a qui est réalisable qui peut arriver et mindset c'est ses lois nous voir l'IP sans eux qui meilleur pays regarde l'avenir pour nos pays. Moi quoi il est important pour réaliser vous dire sa transformation pour pas arriver là pour là il y a transformation qui assez transformative lui-même et nous avons besoin en a sa patience et en a sa long terme vision qui bon nous peut aller et le côté budget lui-même par exemple expliquer il y a dans sa stratégie pour nous narrow sa gap budget pour nous éventuellement commencer faire surplus pour nous payer nos dettes par exemple dit nous dettes il pas soutenable sur nous besoin as soon as possible comment se générer surplus dans nos budget pour nous payer nos dettes et pour nous faire ça nous besoin focus sur deux côtés c'est qui manière nous réduire dépenses gouvernement so be plus efficient de travail gouvernement réduire gaspillage. Il y a une quantité de gaspillage qui arrive dans le secteur public. Ça nous besoin de réduire. Mais de l'autre côté, nous besoin de sa transformation économique qui peut aider à créer plus la richesse. Et par exemple, c'est nos secteurs tourisme, nos secteurs la pêche, nos secteurs l'agriculture. Il y a un secteur qui peut créer la richesse, qui peut aider nous à là-dedans. Et de tout ça, là, il y a besoin d'une transformation mindset. Et un plus gros problème qui nous a identifié, c'est l'issue de productivité. Et ça, c'est une issue que nous avons besoin d'adresser. Nous avons besoin d'une productive si nous pouvons créer la richesse. Mais je crois que les gens qui ont tous un petit bout qui m'aillent ensemble, sa vision est là. Là, présent, ils sont l'implémentation. Ils sont l'implémentation et tout le temps sa bout qui est plus challenging. À cause où ils ont besoin de tout le monde peut think dans la même direction. Et travail pour arriver là-bas.
L'étant moins écoute ou l'explication, il y a un travail assez complexe qui demande beaucoup de bonnes bouts pour mettre ensemble, pour capable faire sa vie possible. Alors, moi, je saisis pour moi, je souhaite tout écouter l'équipe et tout l'Oise bon sens dans sa processus. Et merci beaucoup pour passer le temps avec nous, tantôt ministre et courage dans le travail. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour continuer, nous allons dans nos coins Economics Made Easy. Côté là, nous simplifier l'économie pour vous plus facilement comprendre. Ensemble avec la Banque centrale, Cécile, tantôt nous pour regarder l'avantage et désavantage. Ben, différents régimes tous les sens, différence entre dévaluation et réévaluation et dépression et appréciation. Un régime tous les sens, les mêmes, une politique qui... un pays adopté et qui détermine la façon que valeur ou l'asa domestique y grand exprimé vis-à-vis des autres l'asa des autres pays. Forex li ou bien des étrangers pareil nous dit et basically sans l'asa de l'autre pays et tous les sens les savoir qui nous payer les nous sens nous l'asa pour nous gagner un l'asa un autre pays. Normalement y en a des catégories régime tous les sens. D'un côté, il y a un régime tous les sens qui nous dit il fixe, et de l'autre côté, il y a un régime tous les sens qui ça qui nous dit flotter ou bien flexible. So, dans un régime tous les sens qui fixe, valeur l'argent domestique un pays il est fixé à un certain niveau envers l'argent et l'autre pays. Disons, ce niveau est 17,000 dollars. Alors, sa Banque centrale a besoin d'intervenir de masse de devises pour lui faire si qui sa niveau 17,000 dollars et gagne maintenir. Dans un régime tous les sens qui fixe, nous voyons poser l'autorité y en a beaucoup contrôle tous les sens. Alors, à cause d'autres qui déterminent qui s'apprit qui pour gagner sa vie. Y en a son avantage et aussi y en a un désavantage. L'un côté il retire ça l'incertitude qu'il y en a quand il concerne sa prix, qui, tous les sens. Par exemple, ça y est pour, par exemple, un business qu'on a pour dire sa prix, un prix qui est fixe et pas pour changer. Et ça y est pour le cas, plan plus bien sur l'investissement. Mais seulement, de l'autre côté, il vient à un coût pour la Banque centrale et l'économie en général. Beaucoup de pays ont sorti loin tous les sens qui est fixe. Et autres préfèrent adopter un régime tous les sens qui flexible. C'est celle aussi et parmi certains pays pour nous adopter un régime tous les sens qui flexible en novembre 2008 en lien avec une réforme économique. Et ça est un régime qui nous conserve aujourd'hui. Dans un régime tous les sens qui flexible, parfois nous dire flotter, ça m'a assez de visiter qui détermine prix tous les sens. So, il est déterminé par la quantité de bonnes qui en a dans le système, sur la quantité de devises qui peut gagner acheter et aussi la quantité de devises qui peut gagner vendre. Parfois, on appelle ça recette, so, la quantité de devises qui peut entrer dans le pays. Il n'y a pas un prix officiel qui est déterminé par l'autorité, pareil le cas dans un tous les sens qui fixe. En bas, un système qui tous les sens est flexible, il y en a certaines instances qui, la Banque centrale, il voit les nécessaires pour lui intervenir dans ma série visitante. Et là, récemment, nous voyons, pour dire ici Cécile, nous voyons l'instance que la Banque centrale est intervenue dans ma série visitante pour lui acheter Forex. Et ça, il y a cause de tu vois, pour dire ma série devise parce qu'il fonctionne pareil, supposé. Souvent, des gens confient ça des termes dépréciation et dévaluation, mais il est important pour noter que sa terminologie est attachée avec des régimes totalement différents. So, si nous pensons à l'exemple roupie, il est fixé à 17 roupies point dollar. Ça, la Banque centrale dévalue roupie, les il décide pour sans sa tolérance pour faire qui prix un dollar pour plus que 17 roupies. So, par exemple, un dollar et pour sortir 17 roupies, il pouvait 18 roupies. Donc so, là, la Banque centrale qui fait dévaluer son argent domestique. Et ça même dans la l'instance qui nous appelle ça dévaluation à cause d'une action qui est faite par l'autorité monétaire. Si l'autorité monétaire décide de faire l'inverse,
il fixe prix dollar pour moins roupie. So ça y pour un révaluation roupie. So par contre en bas résume tous les sens qui flexible, c'est mouvement de demande et la quantité de devises qui peut gagner vendre qui influence direction tous les sens. Si disons un dimanche tu peux acheter un dollar pour 17 roupies et il déprécie par des roupies. Là, ça veut dire qu'on a besoin de payer 19 roupies pour 1 dollar. Et là, nous disons pour 10 dollars, il y a plus de roupies, il y a plus de roupies pour 6 dollars. Et là, qui nous servent à terme de dépréciation. Et les roupies appréciées, nous disons roupies appréciées, c'est-à-dire qu'il y a plus de valeur, ou soit il y a plus fort, et nous avons besoin moins de roupies pour 6 dollars. Et alors, c'est important pour nous comprendre bien ça des terminologies. Il y a une différence entre dépréciation et dévaluation. Et ça dépend en grand quantité de l'eau, qui qualité résume tous les sens qu'un pays a adopté. Vous pouvez toujours suivre Economic Watch pour Samoa. Et à présent, nous pouvons rencontrer un zen couple, Roberto avec Audrey. Zot aussi parait beaucoup nous COVID une table zot fort qu'ils ont besoin des sacs tissus qu'ils ont dépensé. Mais même avec sa problème difficulté économique, ça pas n'empêche zot pour amener la joie de vivre dans zot la cour sourire les autres figures. Zot raconte nous qui manière zot par où il était pendant ce moment difficile. Roberto et Audrey est un couple qui vivent ensemble pour un bon pied de temps. Tous les deux employés. Roberto est technicien côté PUC et Audrey Lee est childminder. Avant COVID, ils sont revenus côté la côte confortable pour soutenir leur famille. Mais soudain, ça l'a plus confortable, ils ont secoué bien fort. Tout est grâce à la pandémie COVID-19 et son impact sur l'économie. Ou puis, ils perdent son valeur, nous tous nous connaissons, sa compte de devises étrangères, veut dire qu'ils revenaient côté la côte aussi, ils perdent valeur à cause de la marchandise, ils augmentent dans la boutique. Alors, qui m'a dit, ça a pu réadapter avec sa nouveau normal. Il a affecté nous quand tu étais Barbara, à cause de l'obédience, ou même on a besoin de sens de cette façon, quelque chose que tu habites à faire, on a besoin de casser, réarranger, ou priorité présent. Et moi aussi, qui tout la cause, il peut voir quelque chose là, mais il y a marre. Il y a quelque chose qui m'a dit, nous pouvons vivre avec ça. Pourquoi il m'a appelé le temps, il a besoin de vivre. Vivre comme ça par réalité. Propriétaire, on a 20 000 roupies, à peu près. So, nous sommes balancés, nous sommes des meilleurs qui sont allés. Qui nous a fait? Oui, certainement. Parce que là, au Kamazin, la famille peut être avec sa qualité, sa salaire, pour la couleur, nous sommes ensemble. Et certainement, nous, tout la plupart, nous sommes en loan pour payer les autres bills. So, au Kamazin, qui m'a une famille qui a un couple pour moi. Qui l'a même vraiment marié parfois. Vous avez des enfants? Moi, on a trois enfants, oui. On a trois enfants et moi aussi, on a trois enfants. Mais certainement, il y a aussi nos enfants qui sont là aussi. So. Tout ça, là, il y a inclus dans sa laser qui est entrée la cour. Sa changement et l'augmentation de prix de la vie, il n'a aussi fait qu'Audrey et Roberto y a présent besoin de discuter et écrire qui m'ont dit pour dépenser d'autres l'argent la fin du mois. Comme dit maman, prends papier, prends bullpen. Ça qui n'est pas nécessaire. Qui pas aux priorités ou mettre les pieds à côté pour regretter ou à dire pour avoir une nous là on parle pour un bullpen commence quand qui les gâte quoi qui vient quoi qui plaît important mettre les on ne peut pas commencer descendre avec pareil pour acheter commission les moi massant des premiers moi pour gâter à cause d'un doigt qui plie meilleur massé un doigt qui plie c'est sur besoin massant des commence pas à ça avant ouais comme si cause couper un peu de gaspillage. Réduit, vous comprenez? Là, pour regarder qui m'a balancé. Audrey, nous connaissons madame, nous connaissons parfois spoil nous les corps, faire CV, faire zong, est-ce que pour entrer tout ça dans le bidis à présent là? Moi, je suis Barbara, je suis pas une madame qui l'a sassé, mais on fait si tous les jours pour mal travail, on pas une madame qui, pour moi, ça pas, il pas vraiment un problème pour moi. Malgré que ce soit difficile, pas vraiment un problème pour moi. C'est mon problème, il vient comme si les imaginaires. On est plein devant vous. On nous exprime l'exemple de nos familles. Nous faisons gagner la cour. Nous en a plein aussi. Et tout ça va affecter nos défenses à cause tout ça même plein de tomber. C'est toutes bonnes enfants qui comprennent sa difficulté, ce qui est cause exote.
pour dire la fin et puis parler avant, nous avons besoin de faire quelque chose doucement, doucement, bien, comment est-ce que vous avez dit que vos enfants, de sa situation? Oui, Barbara. Quand à Poli, ils parlent avec nous, mais quand à Poli, c'est plus grand, nous avons besoin d'éduquer certainement. Et lorsque le COVID a affecté les autres sens, vous connaissez les enfants contre la cour, pas sortir du tout. On pense que vous avez affecté de sa façon. Mais pour la cour même, pour donner une bonne éducation, qui quelque chose n'est plus pareil avant, moi, quoi, je comprends ma cause. Les bonnes enfants qui, pendant qu'ils vivent une vie simple, so pour moi, pas les affecter de sa carte face à cause. En fait, je comprends qu'il a quelque chose de difficile, quelque chose de pas en avec le temps. So pour moi, je suis adapté. Je comprends les causes exotes, comme si nous expliquons. Avec sa bonne circonstance actuelle, Audrey et Roberto disent que l'autre mesure qu'ils ont adopté, c'est assurer qu'ils ont besoin de quelque chose d'électronique qui, comme il a, une nécessité par un téléphone et bien gardé. Vous êtes là, comme si vous êtes maman? Vous êtes là, oui. Comme maman? Oui. Pas casse comme là, c'est bien que vous êtes là, vous êtes là, comme maman. Audrey et Roberto aussi croient que tu mérites en abonné cette initiative que du monde est capable de faire plus qu'un travail et façon qui va aider pour un plus revenir contre la cour. Mais entre-temps, sa zène coupe est restée positive qui, après sa mauvais temps, c'est celle pour sortir victorieux et l'économie pour y faire et retourne normale. Dans sa reportage qu'il fait passer, nous le voyons qu'il n'y a pas facile pour un zène coupe capable de faire des bouts de zène. Merci pour faire un budget domestique. Il y a quelque chose qui est assez difficile en ce moment. Mais nous sommes capables de faire ça si nous sommes plus conscients de ce qui nous compte nous sous et qui nous en contrôle, le nous pèse. Budget. Un mot qui sont l'origine, soit d'un mot français, bougette, qui simplement veut dire un petit sac ou soit pèse. Une simple façon d'écrire budget, c'est planification qui quantité qui ont envisagé ou soit capable de dépenser pendant une période de temps basée sur l'argent qui ont à disposition. Dans la cour, souvent budget, IPS ou l'enveloppe l'argent qui est capable de couvrir toutes les dépenses qui en ont. C'est là que calculation, décision, discipline y entrer. À cause ou capable dans un plan, mais ou budget pas permet. De l'autre côté, ou capable accomplir tout ça qui ont envisagé faire zis à cause on connaît manier bien ou l'argent. Qui m'a dit ou fait un budget marché à l'os? Premièrement, get bien qui en a ou PS ou soit ou l'enveloppe et demandez qui m'a dit ou fait ça qui ou en a couvert tout ou dépenses. Et façon commencer, c'est y calculer combien qui entre coûte la cour. Prends en compte ban réduction mandatoire par les taxes qui est applicable, pension ou soit aucune dette et get combien qui actuellement reste pour dépenser. Ajoute les avec aucun des autres revenus, par exemple si vous pouvez collecter alimony ou soit les autres façons qui ou en a posé un petit l'argent en plus. Dès qu'il est clair combien vous êtes capable de dépenser, vous gagnez l'indication ou budget au moins. Essayez mars le sa budget. Des trois conseils pour aider à rester discipliné. Garde record détail ou compte la banque et aussi un bilan ou dépenses. Les vous faites ça, vous connaissez qui quantité qui vous dépensez et si ça est pareil ou vous planifiez faire. La vie est la vie, pendant l'instant, coûte quelque chose qui est capable de changer, qui est capable d'affecter au budget, pareil, l'augmentation dans le coût de service tel qu'électricité, de l'eau ou soit prix commodité qui changer le marché. Si ça y affecte ou, c'est là qu'il y a besoin d'assister au budget aussi. Souvent une fois, ou l'enveloppe pas pour changer, mais une bonne décision est capable de continuer à faire au budget marché pour couvrir les dépenses de la cour. Tout le temps, faire au budget avec la liste priorité. Faire si qui paye mal dans la case ou soit location pour tout louer la case, bande de l'eau, électricité, téléphone, manger, transport, et tout le temps passe premier. Et puis là, on va budget pour les autres quelque chose. Tout le temps plan en avance, bon paiement pareil l'assurance l'auto ou soit la case. Veille bien bonne dépense qui est capable d'affecter au budget par une dépense pour l'occasion spéciale, par un anniversaire. Autant que possible, mettez l'argent de côté pour une situation imprévue et il devrait faire partie au budget, ça aussi. Aucun de savings qui est capable de faire après toute sa planification, il veut dire le bon semaine. Laisse ça venir l'opportunité pour faire plus l'économie, côte ensemble avec aucun revenu en plus qui arrange au PS, pareil paiement et temps de service ou soit paiement gratuité ou capable de réaliser un bon plan, par exemple une réparation pour toute la cour. Et si dans la cour il y a plus qu'un dimon qui peut amener revenu, il est important que sa responsabilité soit partagée pour aider faire si qu'il enveloppe l'argent, il y a une qui peut couvrir nos dépenses et nous peut faire lit ensemble. Ça y a une des façons qui m'a dit capable, c'est un peu plus bien au budget côté la cour.
Ou capable de choisir pour faire dans un petit carnet ou soit servir technologie qui existait comme il a avec bon apps. Si vous pas faire li, pas trop tard pour commencer au propitiser pour être plus bien aux finances. Sati Economic Watch pour Samoa, merci pour garder rendez-vous avec nous. Et si vous voulez participer, pas hésiter pour laisser nous connaître sur côté SBC avec plaisir. Nous allons faire au fond partie de nos bon prochains programmes. Veillez bien à l'économie jusqu'à ce que nous rejoignent et gardez toujours en bonne santé. Bonsoir.